Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tutoriel sur Dune 3 de chez Synapse Audio. Alors Dune 3 vient tout juste de sortir, hein. Il fait suite à Dune 2. Moi, c'est un de mes synthés virtuels préférés, favoris on va dire. Je ne suis pas déçu avec cette version 3. Et cette version 3 de Dune vient avec pas mal de nouveautés, comme l'éditeur de table d'onde, avec les possibilités de créer des formes d'ondes. Alors on verra en les dessinant, en ajoutant des lignes droites, etc. Un éditeur également de partiel qui sera dédié, et toujours le formula pour entrer des formules mathématiques. Avec cet éditeur de table d'onde, nous aurons des fonctions de fade, de morphing, de normalisation, d'inversion, etc. On pourra importer et exporter ces tables d'ondes au format WAVE. On a plus de 500 nouveaux presets et je dois dire qu'ils sont excellents. Ça a été super bien sound designé. On a la révision du filtre avec ce coup-ci deux filtres multimode et toujours un effet d'insert. Alors ces filtres, on aura des algorithmes pour les mettre en série, en parallèle, dans différentes configurations. On a également l'ajout d'un second arpégiateur, parce qu'on en avait déjà un, donc là on en aura un deuxième, et ils seront complètement indépendants et on pourra programmer une voix avec premier arpégiateur et une deuxième voix avec le second arpégiateur. Pour ce qui est des oscillateurs, on aura un nouveau mode de swarm. En fait, c'est une évolution de ce qu'on appelle le super saut au niveau des formes d'ondes. Également, on va avoir plein de nouveaux algorithmes d'effets pour toutes les catégories d'effets. Hein. Ça va du phaser à la distorsion, la reverb, le chorus, le delay, l'equalizer. Et d'ailleurs, en parlant de l'equalizer, on a un nouvel equalizer à 4 bandes qui est issu de l'equalizer graphique GQ7. Ceux qui utilisent Reason, par exemple, connaissent cet excellent TQ graphique, donc maintenant il est disponible dans Dune 3. Et nous aurons pour la reverb un nouvel algorithme qui s'appelle Shimmer Hall. Nous retrouverons également le support complet du format NKS. Alors si vous ne savez pas ce que c'est NKS, c'est le format utilisé par Native Instruments pour retrouver tous les presets du Dune 3 dans Machine ou dans les claviers complète contrôle. Voilà pour ces belles nouveautés de cette version 3 et nous allons maintenant explorer toutes les fonctions de Dune 3.